C'est pas être un modèle. Les pyramides, les obélisques, les arcs de triomphe, mais ça doit prôner l'amour. Mais tu connais les lois de la nature, les lois de la nature ne prônent pas la division, les lois de la nature ne prônent pas la discrimination, les lois de la nature ne prônent pas le tribalisme. Mais vous êtes que des petits esprits. Des petits esprits, des moins que rien. C'est vous qui devez transformer peut-être Sassou Nguesso. Vous avez mis au rond-point, je crois, de Mongali. Vous avez installé le symbole pharaonique du pyramide. Mais à quoi bon? À moins que ce soit autre chose. Mais l'Égypte, c'est presque l'exception du point de vue culturel. Congolais, Congolais, chers compatriotes, voilà un peu ce qu'on avait à dire. Les Bakongo, aucun Bakongo n'est contre, parce que vous ne connaissez pas. Cherchez d'abord à nous connaître. Demandez à ceux qui ont connu la culture Congo. Essayez d'aller prier un peu chez les Matuanistes. Écoutez un peu la sagesse Matuaniste. Écoutez un peu la philosophie des Matuanistes. Vous allez comprendre quel est le fond du message qu'il y a là-dedans. Les Bakongo ne vous détestent pas. Les Bakongo ne détestent pas les Lingala, mais les Bakongo vous reprochent le manque de patriotisme. Parce que là où vous êtes, vous pouvez sauver votre pays, vous pouvez sauver des vies humaines. Si on était au pouvoir, qu'on sauve les autres. Vous avez vu dans des pays, il y a des pays dans le monde entier où on a mis en place des politiques sociales pour aider la veuve, l'orphelin, pour aider les plus démunis, pour aider les vieux, pour aider l'homme quand il devient le plus fragile. Voilà ce que prônent les Bakongo. Les Bakongo prônent ça. Un être humain digne, il met en place des politiques pour. Il y a des gens qui ne peuvent plus acheter une maison dans notre pays. Mais vous avez cassé les maisons des gens. Tout ça gratuitement. Vous savez, dans la vie, il y a trois sortes, quatre sortes d'humains. Il y a des sages qui connaissent les lois de la nature, qui font attention, qui savent quel jour peut-être ils vont quitter sur terre. Il y a des disciples, ceux-là, par coup de chance, qui croiseront ces sages. Et ces sages vont leur montrer les lois de la nature. Il y a des hommes ordinaires, ils ne savent pas, ils connaissent rien. Mais si par coup de chance, ils tombent sur des hommes disciples, ils peuvent changer. Mais il y a une catégorie d'hommes qu'on appelle des indésirables. On dirait ces gens-là, c'est des esprits damnés. C'est des gens. On dirait qu'ils sont condamnés, qu'ils sont venus sur terre pour nuire aux autres, pour détruire les autres, pour empêcher que les autres puissent évoluer, puissent évoluer. C'est ceux-là que les Occidentaux souvent cooptent pour mettre à la tête d'un pays, pour détruire tout un pays et pour aller mettre la main sur les richesses. L'enjeu du Congo n'est pas le tribal. L'enjeu du Congo, c'est les multinationales qui veulent continuer à piller gratuitement les sous-sols du Congo. Nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas des anti-français. Loin de là, on ne peut pas être des anti-français. Nous sommes des humains,
blanc, noir, jaune, je ne sais pas quoi. La France a des intérêts au Nigeria, a des intérêts en Birmanie, a des intérêts partout. La France a des intérêts, elle a des intérêts partout. Est-ce qu'elle se comporte comme elle se comporte au Congo? Si la France se comporte de la sorte, parce que c'est vous, vous n'aimez pas votre pays. Et ils l'ont compris. Si vous aimez votre pays, ils vont changer d'attitude. On ne dit pas d'arrêter toutes les relations, je sais pas, diplomatiques avec la France. Mais non, pour que la France puisse changer d'attitude, de regard vis-à-vis de nous, c'est à nous de changer d'abord. Il faut leur montrer qu'on aime notre pays. Eux, ils aiment leur pays. Hein. Ils aiment leur pays. On le voit, ceux qui sont à la tête. S'ils arrivent à vous corrompre pour avoir gratuitement les richesses parce qu'ils aiment leur pays, c'est à vous de défendre vos intérêts, de dire, ah non, la colonisation est finie. Nous ne sommes pas contre vous. Si vous voulez le pétrole congolais, pourquoi pas? Même si on va faire des appels d'offres, mais on vous donnera le pétrole. Mais il y a des conditions à respecter. Ils le comprendront. Mais vous maintenez le pays comme si on était encore sous la colonisation. Imaginez, est-ce que les Allemands ont occupé la France? À la libération, tous les Allemands étaient partis. Qu'est-ce que ça ferait aux Français, par exemple, si c'est les clauses Barbie qui ont continué à commander, par exemple, la France? Mais nous, nous l'avons accepté. Parce qu'on est tous des Noirs. Dans l'espoir que ces Noirs-là vont comprendre que le pays où on les a amenés comme soldats, comme commis dans l'administration, comme enseignants, comme policiers, il y a des gens qui habitent là, qui ont la même couleur qu'eux. S'ils veulent vivre là, pourquoi pas ramener, arracher d'abord ces gens-là dans la misère. Mais ils ont maintenu ces gens-là dans la misère pour qu'eux puissent rester au pouvoir et avoir des privilèges. Et pour que celui qui les a amenés continue à piller ce pays. C'est ça qui se passe dans notre pays. C'est ça qu'on vous reproche. C'est ça qu'on vous reproche. Vous n'aimez pas le Congo. L'enjeu du Congo, ce n'est pas le tribalisme. Le tribalisme, c'est un mensonge. Le tribalisme, c'est vous qui bénéficiez du tribalisme. Parce que le tribalisme de terre, vous avez pris des terres. Le summum du tribalisme de terre, Sassou Nguesso a mis en place la ville d'Oyo dans le département de Makoua. Il a mis la ville d'Oyo qui était la capitale du royaume d'Oyo, Dahomey, plutôt Nigeria, l'actuel Nigeria jusqu'au Bénin. Voilà, il a mis la capitale d'Oyo dans le département de Makoua. La terre des Bantous. Donc, c'est ce qu'on vous reproche. Aucun Bakongo n'est tribaliste. Moi, par exemple, je refuse les ethnies laissées par la colonisation. Je ne les accepte pas. Moi, j'ai des Mvila. J'ai mes Mvila, je les respecte. Je ne les accepte pas parce que je sais que c'est du mensonge. C'est pour donner l'identité nationale aux Congolais issus de la colonisation. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis Congolais, point barre. Les ethnies, là, il faut penser un jour qu'on puisse mettre fin, voilà, par décret, je ne sais pas, présidentiel, plus d'ethnie au Congo, on se dit Congolais. Point. Parce que ça nous a tiré que vers le bas. Ça n'a causé que d'autres malheurs. Les gens, ils savent d'où ils viennent. Les noms, vous ne les entendez pas?
Le nom Sassou n'est pas d'origine congolaise. Le nom Moussa n'est pas d'origine congolaise. Le nom Tamba ou Tamba Tamba n'est pas d'origine congolaise. Même le nom Kolela n'est pas d'origine congolaise. Le nom Kolela se trouve au Togo. Le nom Les Tiassé, c'est d'origine malienne. Le nom Masengo, c'est pas d'origine, c'est d'origine béninoise. Il y a beaucoup de noms comme ça. Nous, nous connaissons quand même. Mais tu vois quand même, le nom Massamba, c'est des noms d'origine sénégalaise. Donc, nous nous connaissons. Donc, vaut mieux dire au Congo, il y a des Congolais issus de la colonisation et des populations locales. Vaut mieux dire, il n'existe plus d'ethnie. Il n'y a que la nation, voilà, la nation congolaise qui doit exister. Après, vous prenez le tribalisme des terres, vous bénéficiez des terres. Aujourd'hui, les Bakongo n'ont plus de terres. Les Bateke n'ont plus de terres. Les Pygmées n'ont plus de terres. Leur habitat naturel a été détruit. Vous ne voulez même pas de ces gens-là dans vos gouvernements. Vous ne voulez pas que ces gens-là puissent accéder au haut sommet de l'État. Vous les empêchez. C'est ça qu'on vous reproche. Pourquoi nous hissons très haut le nom d'Opango? Parce qu'Opango avait compris les enjeux. Les enjeux n'étaient pas tribaux. Les enjeux étaient, le Congo a des matières premières. Les multinationales veulent mettre la main dessus, sur ces matières premières. C'est à nous de mettre en place une politique pour sauver notre peuple, sans distinction aucune. C'est ça qu'a compris le général Mokoko. Voilà pourquoi nous le soutenons toujours et nous continuerons à le soutenir. C'est cela que le cardinal Émile Bayenda avait réussi à mettre la tête de Ngouabi. Ceux qui ont tué Marie Ngouabi, en tuant le cardinal, ils pensaient que les Bakongo allaient se soulever pour les massacrer tous. Heureusement que le message que le cardinal avait lancé avait apaisé. Et la prière qu'il avait faite sur la tombe, d'après le livre de Hervé, ça avait fait son effet. Nous ne sommes pas contre vous, les gars-là. Nous vous reprochons seulement la faiblesse du sentiment patriotique. Parce qu'on a l'impression que pour vous, le Congo, c'est un fonds de commerce. Or, nous voulons que pour vous et pour nous, le Congo soit la terre de nos ancêtres. Ça soit notre terre. Que nous puissions nous battre pour ce pays jusqu'à la mort. Parce que la façon dont nous nous comportons, imaginez s'il y a une guerre contre un État voisin. Mais il y en a qui vont fuir. Il y en a qui ne vont même pas défendre notre pays. Parce que, comment voulez-vous, des gens sensés, des patriotes, Sassou Nguesso est battu à l'élection présidentielle, il vient, il vous instrumentalise, il vous donne des armes en disant que sinon on va nous massacrer. Vous prenez des armes pour aller tuer, pour détruire ce qu'on a mis en place à la conférence nationale. C'est dangereux ça. On ne peut même pas bâtir un État comme ça. Parce que si demain Sassou Nguesso perd le pouvoir, aujourd'hui on le chasse, il va vous instrumenter, vous allez encore prendre le pouvoir pour venir détruire le pays. C'est ça qu'on vous reproche. C'est ça qu'on vous reproche. Aujourd'hui, on commence à réaliser que Sassou Ntoumi, c'est blanc, bonnet et bonnet blanc. C'est grave. Vous avez tué les vôtres. Vous avez tué les Congolais. Sans distinction aucune du nord au sud. Pour vos intérêts égoïstes. Nombreux pensaient sauver peut-être l'État, mais vous avez sauvé un homme. On doit se battre pour le pays. On doit se battre pour le pays comme on se bat pour notre maison, pour notre parcelle. Parce que s'il y a une chose qui peut nous protéger, qui peut protéger les enfants de nos enfants, c'est le pays.
un pays juste, où il y aura la redistribution de la richesse nationale. Kadhafi l'a fait, il distribuait. Aujourd'hui, les Libyens sont en train de pleurer, Kadhafi. Ils ont détruit leur pays. Kadhafi, chaque Libyen ne sortait pas. Chaque Libyen, dès qu'il avait le baccalauréat, il y avait un compte. L'État y versait de l'argent là-dedans. C'était, ils vivaient dans l'opulence, mais aujourd'hui, ils sont dans la galère. Voilà pourquoi on dit que Sassou Nguesso est notre et à l'origine de notre malheur. C'est ça qu'on vous reproche. On ne vous reproche pas d'être Mboshi, jamais. On vous reproche la faiblesse du sentiment patriotique. On vous reproche votre traîtrise d'aller vendre le pays à l'ancienne puissance colonisatrice, moyennant des postes, moyennant l'argent. Mais le pouvoir, c'est vous. Le pouvoir, l'ONU dit, le pouvoir, c'est la volonté populaire exprimée par des élections. Je n'arrêterai pas de le dire. Un jour, je me suis retrouvé quelque part avec un grand frère que je respecte, qui est franc-maçon. Le grand frère me dit, ouais, vous savez, au Congo, les Français ont une liste. Dans la liste des présidentiables, il n'y a pas quelqu'un du Poule. Tous sont du Nord. Quand je le regardais, j'avais pitié de lui. Et pourtant, il doit faire 70 ans ou 60 et quelques. J'avais pitié de lui. À son âge, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a mis dans le cerveau. Il ne sait pas que le pouvoir, c'est la volonté populaire sortie des urnes. C'est l'ONU qui le dit. La France est membre des Nations Unies. Il est membre au Conseil permanent. Donc la France le dit aussi. Mais lui, il dit que non, c'est les Français qui mettent quelqu'un au pouvoir. Avec des gens comme ça, vous allez partir où? Ça ne m'étonne pas. Le général Moukoko a été candidat. Ça me gêne pas que Sassou se comporte de la sorte. On arrêtait le général Moukoko en le mettant en prison parce qu'il a été candidat. Puisque Sassou a été nommé. Il a ce comportement comme ça. Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce qu'on reproche à nos frères Mboshi? Eh bien, nous leur reprochons cette faiblesse du sentiment patriotique. Parce qu'ils nous donnent l'impression que le Congo, pour eux, c'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. La faiblesse de l'identité nationale. Ils ont pris tout le patrimoine du pays. Terre, maisons laissées par les colons, tout, ils ont tout pris. C'est devenu à eux. Et ils pensent laisser ça aux enfants de leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. C'est ça qu'on vous reproche. Ils pillent le trésor public. Voilà. C'est ça qu'on vous reproche. Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous qui sommes sortis du pays, nous voyons comment dans des autres pays, on distribue la richesse nationale. On aide les enfants à étudier bien, parce que c'est notre avenir. On construit des hôpitaux. On construit des maisons. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas acheter des parcelles. Mais ces gens-là, au moins, peuvent vivre dans des logements sociaux. Chez nous, c'est le contraire. C'est ça qu'on vous reproche. On n'est pas tribaliste. On n'est pas tribaliste. Nous, on a tout connu. La colonisation jusqu'à aujourd'hui. On a été discriminés. On a été empêchés d'aller à l'école. On nous a exclus. Presque. On était des sous-hommes. Et vous nous avez maintenus des sous-hommes. Vous avez fait l'épuration, radicalisation. Ce que vous avez enlevé, c'est nos parents. Nous avons grandi dans la misère, dans la galère. Les machouanistes, vous partez les tuer.
même si vous n'avez rien fait. Les Mathieuanistes ont mené un combat contre le colonialisme. C'est normal, parce que le colon est venu rentrer dans leur domaine, dans leur parcelle, dans leur pour prendre leur terre. Le premier réflexe, c'était de se défendre. Quand les Allemands sont rentrés en France, le premier réflexe, c'est la résistance. Quand les Français sont rentrés au Bénin, le roi Béhanzin, c'est la résistance. C'est normal. Vous ne pouvez pas leur reprocher ça. Ils vous ont rien fait. Qu'est-ce qu'on vous reproche? C'est la faiblesse du sentiment national. Prouvez-nous le contraire. Prouvez-nous le contraire. Unissons-nous pour chasser Sassou Nguesso. Et vous allez voir, le pays, l'avenir du Congo sera meilleur. Au revoir, à bientôt. Ciao.